bitch spit on my face. Hi guys and welcome back to my channel. It's been a long time. Grave longtemps qu'on s'est retrouvé dans ma voiture. Du coup, je vous fais un petit update du jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je revois Mimi après des mois où on s'est pas vu parce que mademoiselle avait son bac. Du coup, elle était un peu dans ses révisions, dans ses machins et tout. Voilà, un peu concentrée on herself. And that's okay. Du coup là je viens de déposer ma mère à la salle de sport. Je me suis préparée, alors je vous explique, j'ai essayé au moins 25 milliards de tenues ce matin. J'en ai trouvé 15 milliards qui sont bien et à la fin j'ai fini avec une tenue toute noire. Mais d'un côté je trouve que c'est celle qui ressortira le mieux en photo parce que je vais mettre des talons aussi. J'aime bien ma tête, franchement ça va, je suis contente de mon make-up, c'est pas tous les jours que ça m'arrive. Et le brandy là, je vous avoue que je suis plutôt happy with my makeup. J'ai mis un peu trop de rose. J'étais en train d'écouter la nouvelle musique de Nessa Barrett là. J'aime tellement Nessa Barrett. En fait, j'aime trop ses sons et tout. C'est trop mon mood, genre. Je sais pas comment vous expliquer, mais. Et là, je vais chercher Mimi du coup. Mais on part pas en voiture. On part en transport. C'est juste que là, j'avais besoin de ma voiture. Oh putain, j'ai oublié de ramener mes colis Vinted. Si vous m'achetez des trucs sur Vinted, je suis vraiment désolée. Normalement, franchement, je fais vite. J'avoue qu'il y a des fois. J'ai plus mes faux ongles, j'ai bientôt un rendez-vous, je crois c'est la semaine prochaine pour refaire mes ongles. So I'm so happy. Les derniers ongles que j'ai fait, je les ai pas aimés. Je les ai... Tu vois, genre j'étais en mode. Ouais, genre en mode c'est bien, j'ai des ongles, mais voilà quoi. Une meuf qui fait des nails vraiment simples, tu vois, elle pouvait pas me faire un gros truc. Du coup, là je vais me faire plaisir, je me suis dit. Mais ma prochaine pause. Oh là là, mais wesh, ça y est, tu veux me tuer. Je me suis dit, ma prochaine pause, elle doit être ça. Ma prochaine pause, elle doit être bien ça là. Trop le stum parce que on est censé genre have a brunch quand on arrive, mais bien sûr j'ai pas su résister et j'ai mangé chez moi. Mais je vais pas faire de repas en fait. C'est déjà que ça fait deux jours que je suis pas partie à la salle. Les gars, je vous laisse tranquille, je vous laisse tout ça parce que là je vais faire mon cover. Bon les gars, je commence mon vlog maintenant parce que j'ai rejoint Mimi et là on est à la gare de Lyon et on a trouvé un Pierre Hermé. I'm vlogging. So, hi, Mimi, le retour sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'a manqué? Ça m'a beaucoup manqué. On va être très, très actif. Préparez-vous, les gars. Regardez, c'est trop cool. Ils sont magnifiques. Là, vraiment, les bris sont cute. Hein. Après, par contre, les cakes aussi, vous êtes trop. Un petit millefeuille là, je dirais pas non. Je t'avoue. Ah, il est délicieux en plus. Je... Ça et la tarte à la vanille. C'est quoi qui est bon, dis-moi? Ça, délicieux. Millefeuille. 10 sur 10, hein. C'est au pralin et tout. Et tarte à la vanille, délicieuse. Ok. Et le truc au chocolat là? Ça je sais pas, après le reste j'ai pas goûté. Plaisir sucré. Ma mère elle avait goûté un truc à la rose. Oh qui opta, moi aussi non, je prends une photo IG. T'as pris un café ici en tout comme ça? Ouais. Moi j'ai pris un matcha. Vu qu'à Pierre Hermé il n'y a pas de matcha, Mimi elle est partie chercher un matcha dans un autre café. Vu qu'elle peut pas s'en passer. Du coup elle a pris une tarte à la vanille. Apparemment elle est délicieuse et moi j'ai pris un millefeuille. Donc voilà, là on va manger. En fait, je vous explique la petite story time. On devait aller manger dans un café. J'aurais pas le temps parce que j'ai rendez-vous à 13h30 dans le 16. On a le temps de prendre qu'un café et sur place. On a trouvé à Gare de Lyon, c'était ça. Donc du coup, on mange à Pierre Hermé quoi. Je t'avais dit, toi tu m'as dit non. Du coup, j'ai raté mon rendez-vous chez le dermato. Je suis trop triste parce qu'en fait, j'y suis allée pour mes. Ça s'appelle des kéloïdes. C'est pour les trucs sur les oreilles là. Vous voyez quand vous faites un piercing. Je devais aller chez le dermato pour voir ça, mais j'ai raté mon rendez-vous, j'ai trop le seum. On fait que de marcher depuis tout à l'heure, même Mimi elle a un talon. Là on va prendre le métro 1 pour aller à Châtelet. En fait on va aller dans une galerie là. Voilà, on voulait faire un petit peu de photos, histoire de remplir un peu Instagram. Du coup voilà. En ce moment j'ai un peu trop envie de m'acheter des robes longues. Après de multiples galères, je crois qu'aujourd'hui... Aujourd'hui on a absolument pris tous les transports genre qui existent. On a pris le métro 1, le métro 2, le métro 12, le métro 3, le RER. Ah bon? Là on vient d'arriver devant le musée d'Orsay, du coup on va au musée d'Orsay en fait. Changement de programme. On a changé de programme toutes les deux minutes. Mimi qui va aller aux toilettes dans un café. Guys, nous sommes au musée d'Orsay. J'ai tellement mal aux pieds. Et ça c'est quoi? C'est un livre blanc à dessin. Mimi elle veut pas m'attendre, je sais pas où elle est. Mimi, Mimi hein. Annyeong. Guys, regardez, on a trouvé un restaurant magnifique dans le musée, genre. Regardez, par contre, je suis un peu trop à l'aise. Je suis un peu trop à l'aise, j'ai tellement mal aux pieds. On a pris des photos en fait depuis tout à l'heure. En fait, on prend des photos, on sait pas où aller, enfin, on sait pas quoi faire.
Mais du coup, on est tombé sur ça, genre vraiment un spot de qualité. Vous pouvez retenir les dates si vous voulez, voilà. Je vous offre tout vraiment sur un plateau d'avant. Sauf que là, on peut pas manger en fait. Là, on peut juste prendre un goûter. Et on a trop envie de saler, genre, donc je sais pas. Voilà ma petite dégaine. En tout cas, je suis contente parce qu'on a réussi à faire nos petites photos Pinterest. Je voulais faire des photos Pinterest. Attendez, je vais faire des TikTok ici, il y a une bonne luminosité. Vas-y. Avec moi. Voilà. Je lui envoyais au moins 20 000 TikTok. Je lui disais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et aujourd'hui, on a rien fait. Not so pretty, pretty, pretty. Il y a de la place. C'est pas des gens, ils mangent de la salade et tout. Hein. Oh, trop bien, on va être toute seule. Oh. Mais quand même, ils m'ont donné une carte de restaurant, je crois qu'il y a à manger. Là, nous sommes au restaurant. Je sais ce qu'on va manger, si on a le droit de manger. Je sais pas s'ils servent encore. Mais regardez où on est, genre, c'est juste magnifique. C'est un spot incroyable que je ne connaissais pas. Je vous conseille vraiment de venir. Genre, l'entrée du musée, elle est gratuite pour les moins de 26 ans, de toute façon, comme tous les musées. Mais regardez. We are going. On va dans le 13ème. Waouh, c'est dans quel magasin ça? Il y a trop de H&M. Oh là là, j'aurais dû aller à H&M là. J'ai tellement mal aux pieds, j'ai envie d'acheter des claquettes. Je vous jure, mes pieds ils sont en sang, genre vraiment en sang. Je vais faire une commande H&M. Il y a tout le monde a dit il y a des millions de promotions. Bon les gars, là on est dans notre petite épicerie. C'est l'épicerie où elle voulait acheter du matcha. J'ai toujours pas trouvé de claquettes. Je vous jure, je suis au bout de ma vie là. Oh là là, je sais pas ce que je vais faire. Prier pour que je trouve des claquettes ici. I'm so tired. Après tant d'épreuves, on est enfin au resto. Là on est arrivé à Seoul Mama, voilà. C'est coréen. Je vous montrerai quand j'ai commandé. Guys, on vient de prendre le sushi go. Oh mon dieu, ma tête. Je sais pas comment on a fini comme ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé pour qu'on termine comme ça. T'es trop à l'aise, ouais, j'ai mis une musique dans le sushi go. Du coup, j'ai décidé de vous ajouter un bonus le day 2, petit vlog. En fait, parce que j'avais fait un petit vlog la deuxième journée parce que j'avais un shooting et ça a été un vlog qui est assez court. Donc, je me suis dit, je vais combiner les deux ensemble. Du coup, ce matin, je me suis réveillée, j'ai direct pris le train et je suis partie au shooting Projet X. Donc voilà, dans le train, j'ai essayé de regarder Stranger Things, mais ça faisait que de bugger, ça m'a saoulée parce qu'en plus, il me restait genre 2 épisodes et je m'étais arrêtée à un moment. Genre, je voulais trop savoir la suite. Et du coup, là, je viens d'arriver. Mais en fait, je crois que je me suis trompée d'arrêt. Bref, ça me fait trop bizarre de me voir avec une boucle d'oreille. Bref, du coup, là, j'ai pris un Uber. Il va. Parce qu'à pied, c'est 30 minutes, genre, pour arriver à l'endroit où je dois aller. Du coup, j'ai pris un Uber parce que sinon, je vais être archi en retard. Là elle arrive, là je vais me rendre au shooting du coup Projet X. Et depuis tout à l'heure dans le train je regarde Stranger Things, j'arrive pas à m'arrêter. Ah bah non. Sauf si vous êtes voilà, vous avez le jardin ou autre. Ouais, ouais, mais c'est... Changement de distance. Guys, du coup là je viens d'arriver. Regardez, je vous dis. Un petit tour. Je vous ai même pas montré ma tenue. Regardez, j'ai mis ma veste à Zara. Mon bustier, il est trop beau celui-ci. Je crois que c'est un bon. Mon cargo et celle-ci, je viens de les recevoir. Je les ai reçues ce matin, genre juste avant de sortir. Je les ai reçues. C'est des We The New. Elles sont trop belles. Effectivement. Donc Saint Patrick, il me semble.
Bon guys, du coup j'ai retrouvé Dahlia, je suis trop contente, on va shooter ensemble. Là je vais me changer. Du coup elle m'a ramené ça. Et ça je vais choisir entre les deux, mais je pense que je vais mettre l'ensemble noir, c'est simple. J'aime trop ma tenue du jour. J'ai mis mes lentilles aussi, regardez. Du coup, regardez les gars, ensemble. Là, Dahlia fait ses photos. J'ai reçu ma nourriture, enfin un Pokéball pour changer. J'ai super chaud. Bon les gars, du coup je viens d'arriver, j'ai pris un thé et j'ai pris un gâteau comme ça. J'ai ramené mon ordi, je vais faire un petit peu de montage. Et regardez, c'est trop beau. Vraiment, je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos, c'est incroyable, genre incroyable. Par contre je suis trop chargée, j'ai mal au bras. Le cadre magnifique. Du coup j'avais un événement Lancôme pour la sortie du nouveau parfum Idol. Donc c'était pas loin, c'était vers Châtelet. Et c'était à 18h, non c'était à 19h. Donc je suis restée au café genre jusqu'à 18h30, un truc comme ça. Je suis restée sur mon ordi, j'ai regardé ma série, j'ai fait plein de choses. Tout en fait, sauf monter ma vidéo. Mais bref, du coup après je suis partie directement à l'événement. Vous allez voir, j'ai filmé genre 2 minutes à l'événement parce que vraiment je suis restée 2 minutes. En vrai, il y avait trop de monde et c'était minuscule franchement. Du coup, je suis partie direct.